Hello les mamans, aujourd'hui je m'adresse plus particulièrement aux mamans qui sont enceintes, qui sont en période de grossesse et qui ont prévu d'allaiter. J'ai pour vous 5 conditions qui sont indispensables à suivre pour bien démarrer son allaitement et surtout se donner un maximum de chances de réussir son allaitement. Donc je souhaite partager ces 5 conditions avec vous dans cette vidéo, ces 5 conditions qui ont été mises en place, qui ont été déterminées par l'OMS et l'UNICEF et qui vont vous permettre de optimiser, de maximiser vos chances de réussir votre allaitement plus facilement. Donc écoutez bien ces 5 conditions jusqu'au bout, ça mérite le détour. La première condition pour bien démarrer votre allaitement, c'est de donner votre sein, de permettre à votre bébé de prendre votre sein le plus tôt possible après l'accouchement. Donc le plus tôt possible après la naissance. Première condition, une mise au sein rapide après la naissance. Pourquoi ? Parce que toutes les études qui ont été faites sur la réussite de l'allaitement et sur la poursuite de l'allaitement plusieurs semaines après son démarrage montrent que l'allaitement est plus facilement réussi et sur le long terme lorsque la prise du sein, la mise au sein est rapide et notamment parce que le bébé est beaucoup plus en éveil lors des premières minutes qui suivent la naissance. C'est donc le moment idéal pour le mettre au sein. Deuxième condition pour bien démarrer son allaitement, c'est bien sûr de réussir cette première mise au sein. Et pour ça, il faut que votre bébé réussisse à bien prendre le sein et à bien téter, avoir une bonne succion. Pour ça, je vous ai fait une vidéo qui devrait apparaître juste au-dessus où j'explique vraiment de A à Z comment réussir la mise au sein, comment aider votre bébé à bien prendre le sein et toutes les caractéristiques d'une bonne prise de sein. Donc, je vous invite à aller la regarder et puis suivez aussi les autres conseils pour bien réussir votre démarrage de votre allaitement. Notez quand même que la prise du sein est vraiment essentielle au début de l'allaitement, mais sur toute la durée de l'allaitement parce qu'elle va tout conditionner en fin de compte. Elle va conditionner votre production de lait maternel et elle va conditionner aussi la quantité de lait que votre bébé va ingérer pendant l'allaitement. Donc c'est grâce à une bonne prise du sein que vous allez assurer à votre bébé d'être bien nourri et que vous allez pouvoir poursuivre votre allaitement parce que vous allez par conséquent produire suffisamment de lait pour votre bébé. Troisième condition pour bien démarrer son allaitement, c'est de ne pas mettre de restrictions lorsque vous allaitez votre bébé, ne pas utiliser votre montre et la regarder sans arrêt pour vous dire qu'il faut espacer les tétés et commencer déjà à lui imposer un rythme un peu trop sévère d'espacement des tétés. Pour réussir votre allaitement dès le début et bien le démarrer, il faut que votre lactation se mette en route et que votre bébé récupère son poids de naissance. Donc pour cela, le mieux c'est de l'allaiter à la demande au moins au début, ce qui passe bien évidemment par des tétés fréquentes. Il faut savoir qu'un nourrisson, un nouveau-né tète en moyenne 8 à 14 fois par 24 heures. Donc si vous voulez une moyenne, ça correspond à peu près à une tétée tous les 2 à 3 heures environ. Et ça, de jour comme de nuit. Donc en continu, jour et nuit, une tétée toutes les 2 à 3 heures. C'est ce qui va permettre à son petit estomac de recevoir suffisamment de lait au quotidien sans être débordé par une trop grande ingestion de lait maternel. La quatrième condition pour bien démarrer votre allaitement, c'est une cohabitation maman-bébé 24 heures sur 24. Autrement dit, de faire appel au rooming in. C'est le nom qu'on donne au fait d'être 24 heures sur 24 dans la chambre pendant le séjour en maternité, 24 heures sur 24 avec votre bébé. Grâce à ça, grâce au rooming in, vous allez pouvoir commencer à apprendre à observer votre bébé, à observer les signes de faim de votre bébé, à comprendre ses cris, à apprendre à l'allaiter. Et ça va permettre aussi en parallèle à votre bébé à se sentir plus serein, plus en confiance, à se familiariser avec votre voix, votre odeur.
Mais ça va aussi vous permettre de l'allaiter dès les premiers signes de faim et non pas d'attendre qu'une sage-femme vous la porte lorsqu'il est déjà énervé parce qu'il a déjà très faim et se trouve déjà en pleurs et vous la porte à n'importe quel moment de la journée, que vous soyez en train de faire une sieste ou pas. Et ça peut perturber à la fois votre bébé et vous-même. Donc le mieux pour l'allaitement, c'est vraiment le rooming in. La cinquième condition pour bien démarrer votre allaitement, c'est d'éviter toute forme de tétine. Évitez tout ce qui est sucette et biberon parce que cela peut provoquer un risque de confusion synthétine qui correspond au fait que le bébé, lorsqu'il naît, il découvre l'allaitement en même temps que vous et pour lui aussi c'est nouveau. Donc il va apprendre à téter, il va apprendre à sucer votre sein pour extraire le lait maternel. Et si vous introduisez des tétines au tout début de l'allaitement, ça risque de porter à confusion pour lui, ça risque d'être source d'ambiguïté parce que la façon de téter au biberon est différente de la façon de téter au sein. Et la façon de téter au sein est plus complexe parce qu'elle demande l'utilisation de nombreux muscles et le mouvement est très différent. De ce fait, il faut éviter l'introduction de tétine ou de biberon ou de sucette pour ne pas faire de confusion pour le bébé et qu'il puisse apprendre progressivement et comme il faut à téter votre sein pour bien prendre le sein et que votre allaitement se poursuive dans de bonnes conditions. Alors pour ne pas pénaliser la lactation, je vous conseille aussi d'éviter d'ajouter des compléments alimentaires, donc du lait industriel, évitez de le faire, sauf s'il y a des indications médicales, sauf si votre bébé perd trop de poids ou n'en prend vraiment pas assez. Mais c'est vraiment sous ces conditions qu'il faut commencer à ajouter, à introduire du lait artificiel. Autrement, évitez de le faire parce que ça va directement pénaliser votre production de lait et la mise en route de votre lactation. Donc c'est la cinquième condition à éviter. Les tétines, les biberons et le lait industriel, ce sont les choses à éviter et à utiliser vraiment que en cas de besoin de prescription médicale pour permettre à votre bébé de reprendre du poids lorsqu'il y a un souci au niveau de sa prise de poids. Et si vous vous trouvez confronté à cette situation, évitez de lui donner le lait industriel avec un biberon, préférez l'utilisation d'un simple gobelet ou d'un dispositif d'aide à l'allaitement ou encore à la cuillère ou à la pipette afin d'éviter encore une fois le risque de confusion synthétine. Voilà, sachez en tout cas que les premières heures et les premiers jours de l'allaitement sont décisifs pour la poursuite de l'allaitement et pour bien réussir le démarrage de l'allaitement. Donc retenez bien les 5 conditions que je vous ai données, elles sont essentielles et n'oubliez pas de les suivre pour réussir votre allaitement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Ciao ciao!